Qu'est-ce que vous attendez de ce type de formation par rapport à une fac, à un IUT, etc. Bah, beaucoup de pratiques, vu que c'est en alternance. Énormément de pratiques parce qu'on apprend beaucoup plus, je trouve, sur le terrain que tout le temps en théorie. Enfin, les cours, c'est un plus pour moi. Et pourquoi avoir choisi de travailler dans une administration? C'est nouveau, une envie, une découverte, tout simplement. Monsieur Follin-Philippe, jardinier espacier sur le secteur de Navarre depuis 31 ans. Je suis en fonction d'un apprenti dans mon équipe et on lui transmet les savoir-faire, les bonnes valeurs du métier de jardinier, tout en commençant par la base du métier, à l'écoute des gens, des questions qu'ils nous posent aussi, pourquoi on fait ça, pourquoi on peut pas en faire dans un sens. Donc on lui explique très bien le démarrage pour bien qu'il s'intègre tout de suite dans le travail. Et puis une formation qu'ils ont en cours aussi au lycée horticole qui permet aussi de leur donner des valeurs de compétences mathématiques, français, apprendre à écrire une lettre de motivation pour qu'ils puissent plus tard aller dans des entreprises et tout ça, qu'ils aillent sur un bon piédestal pendant 2 ans qu'on leur enseigne le métier de jardinier. Un diplôme, t'as reçu quoi? Mon CAP avec mention très bien. Et donc là, t'enchaînes sur quoi? Un BEP, espace vert, encore différent, c'est plein d'étapes à passer et ouais, voir pour plus tard. D'accord. Et là, le BEP, tu le fais toujours à la ville, c'est pour 1 an, 2 ans? C'est pour 2 ans à la ville. D'accord. Et dans ton futur, tu te vois après passer un bac pro également? Après, à voir, oui. Essayer toujours de monter d'échelon pour voir comment ça se passe.